Ongoito. Ong chunung chumreh pakah mto ka chumra ka nite ti samnaka nung som jay lumi tibi. Som krup lok thien lok lu sai ya krom ong sapanaka tang mul som chia sai doi sa lai mok. Cặp bẩn tích tí prức mình khi miền cá cặp dùng quan muối khơi thà miền cá bọ prè vì phía xa khmai một phía xa ông lê khơi miền cá khổ hay khổ ní vì cầm hốt ngôn ngô ấy chấm trong nút chấm nói trong thà xạ xây cột bàn dì thà sự trâu mang sự trâu đã dùng khăn thông như cái hốt nú cứ Mang the trout down the Knong Eye Door, Clone Jung, Hun Eye Store, Die Jung Trout, Die Bokum, and that trout, Lubum Button, Nunchum Rea. Come tie, Pisa Anglet, the Jet Bob Pratt, Ha Trout, I Lubum Bat, Jum Rea. Netting Liner, Dial Me and Pip, you command the trout, and Clone the Wing. And he called near. Tam sạ xây quật tha từ lúc mặt phep chỉ mang giật từ rồi bọc bọc cua rồi bọc luôn như nẹm nẹm ta bỏ đèn lấy từ chia từ lúc mặt nẹt đằng lại ná đài miên phep chỉ mang giật từ nơi ai đo luôn như từ vinh nick kim sôm chấm riệp hay sôm ai bị chẹt bị cầm hôn này cả bỏ đèn đi sôm ocon ໂດຍສາພາສາອັງກ្លេសនិងພາສາບາລັງທີ່ພາສາບອກປາຍພູສາໄຊບັນឆ្លើយច្បាស់ລະໃຫ້ຄົມສາຄືໂດຍລູກມິດທະວີບານບັງຫານຍັງໃໝ່ໆຈັ່ງຄືគាត់ບັນឆ្លើយច្បាស់ອັນວີຄັ້ງຄົນຕົວມະນະມະນະນີ້ອີ່ໃນມີຄົມສາມັນໂດຍຄືນຶງພາສາອັງກ្លេសໄດ້ບອກປາຍພາສາອັງກ្លេសຈັ່ງພາສາຄ្មែរໄດ້ທີ່ສໍາໄດ້ພາສາໄຊນິຍີນຸທີບາດນີ້ບັນຫານີ້ຄືຍັງນຶງມີນິດໄດ້ເພື່ອການກາຍສໍາລວນ
Un intitulé Itinéraire d'un intellectuel Khmer Rouge. Il porte la référence E3/40 et IS 3.9. Et le passage qui nous intéresse et que je souhaiterais voir apparaître à l'écran se trouve à la page en Khmer 005 8 3 6 2 8. En français, 3x0 7 9 0 2 5 2 6. Et en anglais, 00 81 30 97. Alors, j'ai une question aussi à poser aux témoins, c'est-à-dire que pour ce document, nous avons une version française de sa main et nous avons une traduction en khmer qui a été faite par les services du tribunal. Je ne sais pas quelle version il souhaite recevoir. បាទអរគុណអនុញ្ញាតឲ្យបើសិនជាមានទាំងពីរលោកអាចជូនសាក់សីទាំងពីរទៅដើម្បីគាត់ពិនិត្យមើលជាពិសេសគឺឯកសារដើមដែលជាភាសាបារាំងដែលគាត់ជាអ្នកសរសេរដែលផ្ទាល់ដៃរបស់គាត់មន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការទទួលឯកសារជាក្តារពីតំណាងថាប្រញ្ញាយកជូនសាក់សីពិនិត្យ Et peut-être pour être complet, monsieur le témoin, il ne s'agit pas de la version finale du manuscrit que vous avez remis au juge d'instruction, mais d'une version qui, je crois, est légèrement antérieure, parce qu'au dossier ne figure pas l'entièreté de votre manuscrit, mais seulement certains extraits. Donc peut-être pourriez-vous nous dire s'il s'agit bien d'une version de ce manuscrit qui s'intitule Itinéraire d'un intellectuel Khmer Rouge dans sa version définitive. ខ្ញុំមានរដៃនេះជាអត្តបទដែលខ្ញុំសរសេរព្រៀងតាមការកំណត់របស់សកលវិទ្យាល័យប៉ារីទី10ក្នុងតែនៅឆ្នាំ2013ដើម្បីខ្ញុំបានបន្តធ្វើជាបេក្ខជនសម្រាប់បណ្ឌិតខាងចិត្តសាស្ត្រនយោបាយនៅទីនោះគេតម្រូវឲ្យខ្ញុំសរសេរចំនួន 49 bas. Merci. Merci, monsieur le témoin. Merci, monsieur le témoin. Donc, je voudrais vous demander de vous reporter à la page en français, à la page 40 et 41, donc qui porte les numéros 000 79 025 jusqu'à 026. Mais votre numérotation à vous, c'est 40 et 41 au-dessus de la page. Alors, vous parlez à ce moment-là des réunions d'introspection et du fait que vous êtes critiqué sur différents points. Et à la suite de cela, tout à la fin de la page 40, commence l'extrait que je vais vous lire. Et vous dites ceci, je cite, « Nous vivions dans la crainte de mal faire. Une négligence, une étourderie dans l'accomplissement de sa tâche pouvait coûter cher à son auteur, puisqu'elle risquait à tout moment d'être interprétée et prise comme un acte de sabotage et de trahison. Vivre dans une telle atmosphère était pour le moins intenable. J'avais eu l'impression que mon éducation occidentale et mon mariage avec une étrangère constituaient un handicap infranchissable. Donc,
Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour à vous et bonjour à Mesdames et Messieurs de la Chambre. Je suis désolée d'interrompre Monsieur le Procureur, mais j'ai une objection. Si nous sommes d'accord que le document qui est utilisé est le document sur lequel la Chambre a rendu il y a peu une décision dans laquelle elle indiquait les passages précis qui pouvaient être utilisés par Monsieur le Procureur de ce document dans le cadre de l'interrogatoire de Monsieur Aung San Suu Kyi. Il ne me semble pas que les pages telles que lues par Monsieur le Procureur font partie des documents, enfin des parties qui étaient autorisées par la Chambre à être évoquées ici aujourd'hui. Donc je voulais simplement faire cette objection à ce stade pour être sûr qu'il n'y ait pas de difficulté. Monsieur le Président, si je peux répondre. Oui, je voudrais répondre à cette objection qui, en fait, je crois, confond deux documents. Ce document était déjà au dossier depuis longtemps. Il a même été reconnu comme tel par la Chambre. Il a été admis sous la cote E3-40. La requête E216 portait sur le versement au dossier de l'intégralité de la dernière version du manuscrit de Monsieur le témoin qui était intellectuel d'un Khmer Rouge, itinéraire d'un intellectuel Khmer Rouge. Et c'est là-dessus, sur cette version intégrale qui fait 300 pages, que porte la décision de la Chambre. Donc, le document que j'ai remis est un document qui est déjà au dossier, qui est reconnu et qui ne fait pas l'objet d'autres débats. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai lu cet extrait de votre manuscrit, Monsieur le témoin. Est-ce que ces séances de critique et d'autocritique, alors, est-ce qu'elles n'entretenaient pas un climat de paranoïa et une peur de la dénonciation des autres membres, des autres participants à ces réunions? Mien Krusa, Mien Papunjia, Jun Chit Bortema. Hai Ning Kim Bumping Perakai in Sukangi and a chrome Gandak Nom Molu in Sri Lok in Sri got Tlop Banter in Son like Batemarango, the Shrunk got Mun Mien a Lutatang Tang. J'en viens maintenant à un autre chapitre. Que saviez-vous du comité permanent du comité central du parti entre 1979? Que
Comment saviez-vous que Aung San Suu Kyi, Pol Pot et Nguyen Chia en faisaient partie? Thank you, Mr. President. I object to this question as the prosecutor is misstating the testimony of the witness. The witness said that he knows, he just has claimed that he knows that Aung San Suu Kyi was a member of the standing committee, but he says that he concluded that Pol Pot and Nguyen Chia were part of the standing committee. He has not indicated that he knew this, so maybe the prosecution can rephrase the question. Comment avez-vous eu connaissance alors des personnes qui faisaient partie du comité permanent? Est-ce que c'était une source directe ou une source indirecte? ខ្ញុំដឹងថាដោយផ្ទាល់ពីគាត់ចុះព្រោះពីណាលោកអៀងសេរីដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំថាគាត់ជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃមជ្ឈិមបកហើយប្រកបនៅតាមនៃក្រមនេះគាត់នៅក្រម Est-ce qu'à votre connaissance, ou bien par oui dire, est-ce que d'autres personnes faisaient partie de ce comité permanent? ដូច្នោះມັນមានណានាទិសនាមប្រាប់ថាលោកនេះលោកនោះជាប្រាប់ខ្ញុំថាលោកនេះលោកនោះជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈមជ្ឈិមបកទេហើយដែលខ្ញុំដឹងលោកអ៊ីងសេរីនេះគឺថាដែលខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាគាត់ជាបើយើងនិយាយទៅគឺថាគាត់ក្នុងចលនាបដិវត្តន៍ចំណោមពួកបញ្ញាជនដែលមកពីស្រុកបារាំងហ្នឹងគាត់ Est-ce que vous avez entendu ou quelqu'un vous a-t-il parlé, je pense à Aung San Suu Kyi, du rôle du comité permanent au sein de l'organisation du Parti communiste du Cambodge? ជាពិសេសចំពោះបញ្ញាជនដែលមកពីប្រទេសបារាំងដែលធ្លាប់ជាសមាជិកនៃវងម៉ាកលីនីនគឺដែលគាត់ជាអ្នកបង្កើតនឹងគឺគាត់ទទួលខុសត្រូវគាត់គឺថាគាត់ជាអ្នកដែលថាទទួលខុសត្រូវខាងពួកយើងខ្ញុំនេះបាទ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណែពាក្យទទួលខុសត្រូវដែលខ្ញុំនិយាយនេះដូចខ្ញុំណែ ទទួលខុសត្រូវនេះចង់និយាយថាມັນមិនមែនទទួលខុសត្រូវដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវមជ្ឈិមដោយថាពួកខ្ញុំនេះជាបញ្ញាជនដែលមជ្ឈិមទទួលខុសត្រូវចំពោះមជ្ឈិមបកមានន័យថាចំពោះពលរដ្ឋហ្មងបាទដូច្នោះ
Pol Pot ក៏ អ្នក ជា អ្នក សម្រេច ចាត់ តាំង យើង ឲ្យ ទៅ ធ្វើ ការ នៅ កន្លែង ណា កន្លែង ណា គឺ ថា គាត់ ជា អ្នក ចាត់ តាំង ហើយ លោក អ៊ីន ស្រី គ្រាន់ តែ អ្នក ដែល ទទួល ខុសត្រូវ ផ្ទាល់ របស់ យើង ទាំង អស់ គ្នា ក្នុង កិច្ច ការ បំពេញ ភារកិច្ច ទេ ហើយ ការ នេះ គឺ ថា ចំពោះ ខ្ញុំ ក៏ ដោយ ចំពោះ បញ្ញា ជន នេះ ទៀត ដែល មក ពី ស្រុក វរាំង ដែរ បាទ Lorsque vous parlez de prise de décision par Pol Pot, est-ce que vous référez à des décisions qu'il prenait seul ou conformément au statut qu'il prenait de manière collective? ដោយមិនប្របាក់អីទេព្រោះសម្រាប់បងអ្នកដែលមកពីស្រុកប្រាំងសិតតែគាត់បញ្ញាជនដែលបញ្ញាជនកុម្មុយនីសដែលមកពីស្រុកប្រាំងគាត់ក៏ធ្លាប់ស្គាល់ដែរដូច្នោះគាត់ស្គាល់ម្នាក់ៗហ្នឹងគាត់ថាគាត់ចាំបាច់សួរមតិនានាទេតាមមើលទៅគាត់សម្រាប់បានទេបាទ Pardon, je vais reformuler, monsieur le témoin. Je parlais de Pol Pot, quand vous avez parlé du fait que Pol Pot prenait des décisions. Est-ce que c'était des décisions qu'il prenait seul ou, comme le dit l'article 6 des statuts du PCK, prenait-il des décisions collectives? Thank you, Mr. President. Good afternoon to everyone in and around the courtroom. If the gentleman wishes to ask questions concerning what the collective may have done, perhaps he can first ask the witness whether he is aware of any collective meetings and whether he attended those collective meetings. Otherwise, he's asking the gentleman to speculate as to what Pol Pot was doing. Thank you. Monsieur le Président, c'est Monsieur le témoin qui a parlé de décisions prises par Monsieur Pol Pot. Je voudrais savoir dans quel cadre ces décisions ont été prises et comment il sait que ces décisions ont été prises. D'où ma question. ស័ក្តិសិទ្ធិឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរឡើងដោយតំណាងថាបញ្ញាចុងក្រោយបែបនេះខ្ញុំមិនបានដឹងច្បាស់ទេប៉ុនខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅជាមួយគាត់ខ្ញុំក៏ក្តាប់បានវិធីដែលគាត់សម្រេចអីខ្លះដែរមិនមែនថាគាត់សម្រេចស័ក្តិសិទ្ធិមិនសួរមតិដទៃទៀតទេប៉ុនបញ្ហាខ្លះវា มันจําบัดสู้เด้อก็อาจสําเร็จบ้านได้โดยខ្ញុំនិយាយមិញច្បាស់អំពីបញ្ញាជនកុម្មុយនីសដែលត្រឡប់ដែលមកពីស្រុកបារាំងវិញតែខ្ញុំនិយាយពីករណីច្បាស់អញ្ចឹងបាទគាត់ស្គាល់ម្នាក់ម្នាក់ច្បាស់ដូច្នោះសមត្ថភាពទាំងអ្នកគោលជំហរនយោបាយទាំងអីដូច្នោះគាត់ធ្វើស្រីសម្រេចដោយមិនចាំបាច់គឺថាសួរមតិណាណាក៏បានដែរបាទប៉ុន្តែឲ្យថា Pour clarifier, monsieur le témoin, parce que pour moi, je n'ai pas tout à fait compris, vous parliez bien de Pol Pot dans votre réponse. C'est bien cela? Pol Pot,
Merci. Vous qui travaillez à B1, est-ce que, en dehors des voyages de Yang Sari à l'étranger, est-ce que Yang Sari s'absentait régulièrement de B1 pour se réunir avec d'autres dirigeants du parti? Oui, et donc, je parlais des réunions avec d'autres dirigeants du PCK. Avait-il de nombreuses réunions avec ces dirigeants et à quels endroits, si c'était le cas? Non, je parlais du pays entier, notamment les membres du comité permanent que vous avez cité tout à l'heure. À côté du comité permanent, est-ce qu'il y avait un comité de sécurité au niveau du centre toujours? Monsieur le Président, je voudrais montrer au témoin deux documents. Le premier est sa deuxième déposition devant les juges d'instruction qui porte la référence D91-26. Il n'a pas de référence E3 encore. Et là, il s'agit en français de la page 5. En Khmer, de la page 00204153 et en anglais 00223642. Ça, c'est pour le premier document que je voudrais bien faire afficher également à l'écran. Alors, voilà la citation. Donc, à ma connaissance, le comité de sécurité du parti était composé de Pol Pot, Nguyen Chia et Son Sen. Fin de citation. Et je voudrais, dans la foulée, montrer un deuxième document, qui est un document que j'ai déjà remis au témoin, qui porte la référence E3-42. Ou D167. La page qui m'intéresse en Khmer, c'est le 00-32-72-08. En anglais, 00-32-72-18.
Et en français, plus simplement, c'est la page 7. Et si on pouvait projeter également cette deuxième réponse à l'écran, Monsieur le Président. Alors, voilà votre deuxième réponse, Monsieur le témoin. Vous avez dit, je cite, « Le comité de sécurité était composé de Pol Pot, Nguyen Chia, Son Sen, puis après le départ de celui-ci vers le front, sur le front Est, Vorn Vet, jusqu'à son arrestation. » Fin de citation. Alors, Monsieur le témoin, quelles étaient les fonctions du comité de sécurité? Qui vous a appris en 1979 quelle était la composition du comité de sécurité? Est-ce que vous avez entendu parler entre 1979 du bureau 870 ដែលខ្ញុំដឹងច្បាស់ដែលគាត់នៅមន្ទីរពេលខ្ញុំដឹងច្បាស់ដែលគាត់នៅមន្ទីរ 870 ពួកគាត់បានខ្ញុំរយៈពេលមួយនោះខ្ញុំមិនចាំឆ្នាំទេខ្ញុំមិនចាំកន្លែងទេប៉ុន្តែកន្លែងធ្វើការគាត់បានឌុបម៉ូតូខ្ញុំពីកន្លែងដែលខ្ញុំធ្វើការនោះទៅធ្វើការជាមួយប៉ុលពតមកក្រសួងការបរទេសវិញបាទខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងដឹងថាមន្ទីរ 870 នឹងមានឈ្មោះប៉ង់នឹងបាទគេថាធ្វើជាប្រចាំការនៅទីនោះ. Et où se trouvait ce bureau où il était quand il vous a pris en moto, à moto plutôt? Est-ce que ce bureau avait un nom? មិនជាមន្ទីរទេដែលគាត់ឌុបម៉ូតូខ្ញុំគឺជាកន្លែងទទួលភ្ញៀវអាចខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ទេបើអាប៉ុនអាចជាណែវាមានរដ្ឋាភិបាលគេហៅថាបបពីបាទបបពីហ្នឹងណែឥឡូវអាផ្ទះណែទីសាភិបាលបារាំងនៅមាត់ទន្លេហ្នឹងណាបាទផ្ទះហ្នឹងបាទអាចខ្ញុំចាំផ្ទះហ្នឹងព្រោះថាប៉ុលពតគាត់ទទួលភ្ញៀវគាត់ទទួលនៅហ្នឹង.
Et à quel endroit travaillait Pol Pot à l'époque, si vous le savez? Bà khi ông bạn đăng này mà. Est-ce que dans le cadre de vos fonctions, et notamment je pense à l'interprétation, est-ce que vous vous êtes rendu dans certains bureaux ou certains lieux où se trouvaient des dirigeants tels que Pol Pot, Khieu Samphan, Nguyen Chia? Et pouvez-vous décrire ces lieux? ខ្ញុំទៅបកប្រែឲ្យប៉ុលពតនៅផ្ទះនឹងផ្ទះមិញនឹងគេថាវិមានរដ្ឋាភិបាលផ្ទះនៅមាត់ទន្លេហ្នឹងពីដើមគេហៅណាចំនួនសង្គមរាស្ត្រនិយមគឺថាជាវិមានរដ្ឋាភិបាលចំនួនប្រាំគឺថាផ្ទះណាទេសាភិបាលប្រាំប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទប៉ុលពតក៏ធ្វើការនៅទីនោះខ្ញុំទៅបកប្រែឲ្យគាត់ពេលដែលគាត់ទទួលគណៈប្រតិភូនារីវៀតណាមមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំដូចដើមឆ្នាំ 77 បាទខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេកន្លែងធ្វើការឯទៀតខ្ញុំមិនបានដឹងទេបាទ À part Pang, qui travaillait également, qui était également membre du bureau 870? Vous avez mentionné que Pang vous avait déposé au ministère des Affaires étrangères à Moto. Est-ce qu'il lui arrivait régulièrement de venir au ministère des Affaires étrangères? Est-ce que vous l'avez vu en d'autres occasions? Pourriez-vous nous dire, durant la période du Kampuchea démocratique, si vous rencontriez souvent M. Khieu Samphan et dans quel cadre? Est-ce qu'il vous est arrivé en dehors de ce cadre officiel d'interprétation en français de discuter avec Khieu Samphan, seul à seul? សំលោកប្រញ្ញាបញ្ជាក់ណាធ្វើការជាមួយលោកខៀវសំរអឲ្យខ្ញុំបកប្រែហ្នឹងបាទដំណើរថាប្រញ្ញាតាំងសំណួរចុងក្រោយសាជាថ្មីម្ដងទៀតសាស័យមិនយល់សំណួរទេ
Oui, je voulais savoir si en dehors du cadre strictement professionnel de l'interprétation que vous donniez lors des rencontres de Kyusampan avec d'autres diplomates, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des réunions avec lui ou de vous retrouver seul avec lui et d'entamer la conversation? Je parle bien de vous. ខ្ញុំមានដែលមានពេលគាត់ជួបជាឯកជនហើយសូមបញ្ជាក់នៅពេលនោះជាការជួបគ្នាយើងជួបស្ថិតក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនបាទខ្ញុំចាំបានច្បាស់ថាគាត់អញ្ជើញមកក្រសួងការបរទេស២ដងជួបខ្ញុំ២ដងប៉ុន្តែជួបពេលនោះគឺថាគាត់ទៅចែកពីឲ្យខ្ញុំសរសេរអត្ថបទដើម្បីចុះផ្សាយ Est-ce que vous auriez aussi accompagné M. Kyusampan avec Yengseri Yengtirit à Pékin lors d'une mission durant l'été 1975? ខ្ញុំធ្លាប់បានអមដំណើរលោកឃីនសំផនទៅប្រជុំសន្និសីទកម្ពុជាប្រទេសមជ្ឈិមបកសម្ព័ន្ធនៅស្រីលង្កានៅឆ្នាំ 1976 Est-ce que vous avez rencontré, vous avez eu des contacts avec M. Nunchia durant la période du Kampuchea démocratique? គាត់បានសុំឲ្យខ្ញុំទៅសេអត្ថបទពីនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីចុះក្នុងកិច្ចឈ្មោះកម្ពុជាតែមកពេលនេះហើយខ្ញុំបានមិនបានជួបទេបាទខ្ញុំបានឃើញគាត់ពេលដែលខ្ញុំទៅរៀនសាលាបកប្រកបដោយនឹងពលពលជាអ្នកអត់ទស្សនិមនៅក្នុងឱកាសពេលនោះបាទ Quand vous l'avez vu de loin et que c'était Pol Pot qui faisait l'exposé, s'agissait-il d'une session d'éducation politique et à quel endroit avait-il Était-ce une session destinée aux seuls membres du parti? Bah,
À part Pol Pot qui Pol Pot a pris la parole lors de cette session d'éducation politique. Que le Kyomban Chimdip, quand dame, que Mien Pol Pot et l'on tire, Mien Pinetba, peut être son nom, but être son nom, le Kronvia, un accro sur la panne. Et pouvez-vous situer la période durant laquelle vous avez assisté à de telles sessions d'éducation politique? Quels ont été les thèmes politiques ou idéologiques qui ont été abordés lors de ces sessions par Pol Pot et Nguyen Chia? Est-ce que l'on parlait de la situation politique en général du pays? Est-ce qu'on parlait de la situation vis-à-vis des ennemis lors de ces réunions? Ou bien vous ne vous en souvenez plus? ប្រជាជាតិប្រជាធិបតេយ្យឆ្លងជួបបដិវត្តសង្គមនិយមនៅក្នុងប្រទេសហើយសភាពការអន្តរជាតិដែលចលនាបដិវត្តរំជាតិនិងចលនាសង្គមនិយមកំពុងតែរីកសន្ធោសន្ធៅនៅលើសកលលោកក្នុងពេលនោះបាទ Est-ce qu'en dehors de cette réunion, cette session d'éducation politique, est-ce que vous auriez également assisté en tant que membre du parti à de grandes assemblées annuelles au stade olympique, par exemple à l'occasion de l'anniversaire officiel du Parti communiste? Et à cette occasion, qui étaient les orateurs au stade olympique? Est-ce que d'autres grands dirigeants du parti se trouvaient sur place? Par exemple, Nguyen Chia, Ieng Sary, Khieu Samphan, Son Sen, Von Vet. Et vous souvenez-vous de la teneur du discours de Pol Pot à l'occasion de l'anniversaire du parti en 1978? J'imagine vers le 30 septembre.
ហើយខ្ញុំចាំច្បាស់ថាប៉ុលពតក៏ថាយុទ្ធជនកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមួយរូបមានសមត្ថភាពកំទេចយុទ្ធជនកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម 8 នាក់ដោយបូកចុះបូកឡើងទៅជាជនវៀតណាមទាំងវៀតណាមស្លាប់ទាំងអស់ខ្មែរយើងនៅសល់ 2 លានអ្នកទៀតដែរខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំថាខ្ញុំព្រឺក្បាលខ្ញុំថា En tant que responsable de la propagande et de l'information au sein de B1, vous suiviez donc l'actualité du pays. Est-ce que vous pouvez nous dire si Nunchia se rendait souvent aux assemblées générales qui se tenaient dans les zones? Vous avez parlé d'un coup de téléphone que vous aviez reçu de Nunchia à propos de la rédaction d'articles. Est-ce que cela avait un quelconque rapport avec la rédaction du livre noir sur la politique étrangère de la République socialiste du Vietnam à l'égard du Kampuchea démocratique? Thank you, Mr. President. It is now too late, but for the record, I want to object to this form of questioning by the prosecution. Again, the prosecution in the question already formulates the prosecution's theory as to what this phone call was about. Proper way is to simply ask the witness, does he remember what this phone call was about, and possibly later his memory can be refreshed as to the substance of this conversation. Again, it is now too late. I do not see how we can deal with this matter, but for the future, I think it's important, Mr. President, that you urge the prosecution or order the prosecution to not adopt this line of leading questions where they give the information to the witness in advance. Thank you, Mr. President. En réalité, il s'agit d'un aspect qui a déjà été couvert par le témoin dans une de ses auditions. Et donc, il ne semble pas que ce soit une question vraiment orientée, puisqu'il s'est lui-même qui en a déjà parlé dans son audition E3-42-D-167, donc, c'est un procès-verbal qu'il a maintenant sous les yeux et ça se trouve en Khmer à la page 00-32-72-06-07, en anglais 00-32-72-17 et en français 00-32-72-27. Donc je suggère, je ne sais pas si on peut maintenant écouter la réponse du témoin, s'il faut que je lise l'extrait de ce procès-verbal, M. le Président. Merci.
Thank you, Mr. President. Everybody here in this courtroom has read the prior statements of this witness. That's not the issue. The issue is how do we question this witness in courts? If we want to make this a valuable testimony with probative value, the witness should be asked open questions. Asking leading questions is simply a violation of your clear instructions as to how we question this witness in court. And I must speak from memory now, but I do not remember this witness speaking about a telephone conversation with Mr. Nguyen Chia on this issue. I think his statement claims that he met Nguyen Chia, so this is a point of interest, and therefore it is important that this witness has asked open questions and not leading questions. ហើយ មិន ក៏បី សួរ សំណួរ នាំ មុខ ទៅ សាក្សី រូប នេះ ទេ សូម អរគុណ សេចក្តីជំទាស់នឹងសម្បាងហេតុនៃសេចក្តីជំទាស់មិនធំទ្របទេដូច្នេះសេចក្តីជំទាស់គ្មានប្រសិទ្ធភាពអង្គជំរះត្រូវការស្ដាប់ចម្លើយតបរបស់សាក់សីតបទៅនឹងសំណួរចុងក្រោយដែលសួរឡើងដោយតំណាងសាធារណៈការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទ Peut-être, Monsieur le Président, que je pourrais lire cet extrait de manière à poser d'autres questions sur cette question, puisqu'il me semblait que dans le procès-verbal, il y avait un certain lien qui était fait entre une réunion sur le livre noir et le coup de téléphone de M. Nguyen Chia. Donc je voudrais lire le passage que j'ai déjà mentionné dans le procès-verbal E3-42, qui porte, c'est la référence D167 que M. le témoin a déjà sous les yeux, et s'il peut donc se référer au passage 00, à la page 0032-7206-07. En français, c'est la page 6. Et en anglais, 0032-7217. Et peut-on également le faire apparaître à l'écran, monsieur le président? Alors, je vais citer ce que vous aviez dit. C'était une question qui portait sur, qui était formulée de la façon suivante. Avez-vous eu l'occasion d'être en contact avec Nguyen Chia entre 1975 et 1979? Réponse, je n'ai jamais eu une relation directe avec lui. Je l'ai vu uniquement lors d'une réunion organisée en septembre 1977 pour la rédaction du livre noir sur la politique étrangère de la République socialiste du Vietnam à l'égard du Cambodge démocratique. Il y avait là plusieurs représentants du ministère des Affaires étrangères, Chun Prasit, Kit Chun et moi. Nous avions été convoqués par Pol Pot, et c'est surtout lui qui parlait. Nguyen Chia était plutôt un observateur que participant actif. À la suite de cette réunion, je me souviens que Nguyen Chia m'a téléphoné fin 1977 pour me demander d'écrire un article sur la politique étrangère du Cambodge démocratique à l'intention
du journal Cambodge. Fin de citation. Je vais d'abord parler alors de cette rédaction du livre noir, monsieur le témoin. Quels ont été les rôles respectifs de Nun Chia et de Yeng Sari dans la rédaction du livre noir publié par le ministère des Affaires étrangères?លោកសរិនឆាដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក៏គាត់មានវត្តមាននៅទីនោះដែរនៅក្រសួងការបរទេសដែរគាត់មិនមែនទៅសេខ្ញុំក៏មិនសេដែរជាគាត់ហែតទេគឺថាខ្ញុំចង់ជម្រាបឲ្យបានដឹងគឺថាគាត់ហែតទៅយើងគ្រាន់តែទៅសេឲ្យស្អាតអ្វីដែលគាត់បានគាត់ហែតហ្នឹងហើយដាក់ដោយថាកែសម្រួលគ្នាខ្លះក៏ប៉ុន្តែពាក្យពេចន៍ឲ្យខ្លឹមសារដែលសំខាន់សំខាន់យើងទុកទាំងអស់រួចទៅយកទៅឆ្លងគាត់ម្ដងទៀតបានយកមកបោះពុំផ
Thank you, Mr. President. I didn't object earlier to the question which misstated the facts. Now again, the prosecution is attempting to misstate the facts yet again. I know we're before professional judges. He's claiming that this was published by the Ministry of Foreign Affairs. This is a claim, an assertion that's made by the prosecution. He's asking the witness to verify. First of all, it's leading. He can proceed step by step. The individual, the gentleman has indicated that Pol Pot more or less dictated it to him and to others, and that's how it came about. Now he wants to have it attributed to the Ministry of Foreign Affairs. I can understand the gentleman's eagerness to pin this on the Ministry of Foreign Affairs, but the evidence should come from the witness and not from the prosecution. Je propose, Monsieur le Président, je propose de demander aux témoins si c'est bien le ministère des Affaires étrangères qui a publié ce livre noir. Est-ce que dans ce livre noir porte le sigle ou simplement la mention ministère des Affaires étrangères en dessous sur la première page? Donc je comprends, puisque c'est vous qui en avez assuré la publication, que c'était bien publié par le ministère. Est-ce que cela veut dire que Yeng Sari, lui-même, avant sa publication, l'a lu pour vérifier son contenu et sa conformité avec la conversation qui avait eu lieu avec Pol Pot? អាចផ្ញើទៅអញចេះអាចផ្ញើទៅណាប៉ុលពតតាមរយៈណាលោកអ៊ីងសេរីនិងឯកសារនឹងគាត់ធ្វើឲ្យលោកគេឆន់ណាលោកជួនប្រសិទ្ធគាត់សរសេររៀបរាប់ឲ្យសរសេរជាសភើស្រួលឲ្យគាត់ផ្ញើទៅប៉ុលពតតាមលោកអ៊ីងសេរីអាចទេប៉ុនជួនកាលគាត់ផ្ញើផ្ទាល់លោកអ៊ីងសេរីគាត់អូណាលោកប៉ុលពតគាត់មកយកឯកសារនឹងផ្ទាល់ខ្ញុំចង់ជម្រាបថា លោកប៉ុលពតគាត់តាក់ទងជាមួយយើងខ្ញុំផ្ទាល់ចាំបាច់លោកអ៊ីងសេរីណាគាត់ដឹងទេលោកអ៊ីងសេរីជាអ្នកជួនកាលគាត់ដឹងទេហើយរឿងនេះគឺថាខ្ញុំសួរអានឹងជារឿងក្រៅលោកប្រធានសមញ្ញាតាគ្រូខ្ញុំមជ្ឈិមស្តេហ្វានគុកតួហ្នឹងគាត់ប៉ត្រង់តែខ្ញុំគាត់ថានៅរបបកុម្មុយនិស្តទាំងអស់នៅអឺរ៉ុបសហភាពសូវៀតហុងគ្រី អាល់ម៉ានីរូម៉ានីគេធ្វើតាលៀបនឹងគឺថាបើលោកជាប្រធានអាប្រធាននឹងអត់បានកាយទេមែនទេណាអ្នកទី2អ្នកលេខខាយទេដែលធ្វើការងារជាក់ស្ដែងហើយមានអំណាចមែនទេណាអានឹងអញ្ចឹងគឺថារបៀបរបបដូចនោះតាមមើលទៅមិនមែនដូចអឺរ៉ុបទេមិនមែនដូចនៅអាមេរិកអីទេ อันนั้นให้ดากระหายทาแกทายทาขมายยิงในระเบียบขมายยิงเซ็งระเบียบอรบเซ็งระเบียบปารังเซ็งระเบียบอเมริกเซ็งยังมันยีต่อไงเนี่ยเข้มจองจะจูเรียบระเบียบถือการจังโดยเฉพาะประเทศเม้นมันจุงกันก็อดดังเนี่ยให้จุงกันเข้มถือแต่ประเทศภายในปอนเมียนนั้นมันจวนกันอาสาเจงปี កន្លែងខ្ញុំនឹងដាក់ឈ្មោះខ្ញុំដាក់អីខ្ញុំប៉ុនខ្ញុំអត់ដឹងគេចេញប័ណ្ណផ្សាយបាទទៅខ្ញុំដឹងតាមវិទ្យុខ្ញុំដឹងតាមកាសែតអានឹងរៀបរបៀបធ្វើការគេអញ្ចឹងបាទសូមជម្រាបប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអង្គការសម្រាប់20នាទីចាប់ពីពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង3រសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្មនាការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការតํารួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់
សូមក្រោកឈរ